الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Pour une bonne soirée qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin révèle vers nos chers frères et sœurs et dans la donc il y a des autres noms depuis un événement une étape ou plus précisément un jihad qui fait partie de l'époque Rasul sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala permet nous pour tomber dans la masse fajr. Imam finit sur la 33 sur l'Ahzab. Al-Ahzab, c'est le pluriel de Hizb. Hizb qui veut dire parti. Il finit bien ce nom Al-Ahzab parce que l'État nous procurait, nous ajoutait avec les autres l'ennemi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je tout fin réunis ensemble pour de la guerre avec le prophète. C'est dans cette bataille là même que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il y a une nouvelle qui va venir, un parmi ce ban sahaba, qui appelle Salman al-Farisi, radiallahu an, dit ya Rasulallah, nous, de nos peuples, nous pouvons fouiller ban tranchée. Ça que la guerre du prophète sallallahu alayhi wa sallam tient une stratégie. Pas tout coup de la guerre pareil. De la guerre bad, il fait un bloc, ban puits. Il fait quitter un seul puits au milieu, qui dit que ce ban sahaba tient accès. De la guerre Uhud, il fait ban monte la montagne. De la guerre Ahzab, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait fouiller une tranchée, basé le conseil. Qui Salman al-Farisi, radiallahu an, fin de nuit. De là, Al-Ahzab et Khandaq, c'est même bataille. Khandaq veut dire tranché, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai lu le hadith, « Ma min abdin yasumu yawman fi sabilillahi, illa ja'alallahu baynahu wa baynan nari khandaqa. » Il n'y a aucun serviteur qui garde un rosa de chemin Allah, excepté qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait entre lui et l'enfer, un khandaq. Khandaq, c'est quoi? C'est un tranché, on va dire un pont comme ça, une distance avec lui. Dans l'autre nom que Manoudia appelle Al-Ahzab, de là sa surah, fin prend sa nom. Surah Ahzab, de là, l'éclaire, s'il peut cause concernant un jihad, tout jihad vient de Madina. Donc c'est un surah qui fin descendant de Madina. Mais, à part qu'il y cause l'osa événement là, l'osa jihad là, Surah Ahzab, pour mes bonnes particularités qui est là, les causes de la vie, comment nous capables de dire la vie moyenne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le surah qui amène ça. Apporte le sonnon qui l'a amené, mais sinon ce surah là, chers frères et sœurs, lui amène quoi? Lui amène la vie moyenne du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce début même, nous gagnons quand Allah subhanahu wa ta'ala peut cause concernant un garçon adoptif du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit comme ça, pas appelé, parce qu'il fait de Makkah, maintenant tu peux commencer à appeler Gosson Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala descend sa surah là pour interdire ça, sa petite chose là. Il dit, Odrohum ni Abaihim, appelé pour nous, papa. Pas une personne qui gagne droit sans son nom familial, pas existe ça. Quand il veut dire pas existe, il veut dire d'ordine, nous pas gagner droit sans nous non familial. L'osabout qui nous fait entendre à Zodjila, sorry. Avant ça, c'est ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit nous dans même sur l'ayat 6. Après avoir qu'il finit cause de sa garçon, il dit An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatukum. Un prophète, il y en a plus droit l'un croyant, qui sa croyant en lui-même. Veut dire si il y a le prophète et moi demander en Dieu dès que ça qui vient tout y est là dit moi là obligé dire moi mais seulement ça prophète là bien reste la même il n'a plus droit le moi qui moi n'a droit le moi. Ensuite c'est là qu'il dit wa azwajuhu ummahatuhu et ce ban épouse c'est ce ban maman.
C'est pour ça que ces ayats-là, qui parfois quand nous lisons les hadith, nous trouvons Aïcha, Ummul Mu'minin, mère de ban croyant. Qui fait amène sa bout là, Ummul Mu'minin, parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fin donne ça, sa titre là. Oh donc, à partir de là, si je fin gagne sa titre là, qui la loi qui rentrait automatique? La loi qui rentrait automatique, c'est que quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam quitte dunya, paye na personne gagne droit avec souban madame. Paye na personne gagne droit moyer avec souban madame. Qui fait? En, dans sa sourate la même fin interdit sa quitte chose là. Et deuxième, le fait qu'il fin gagne titre nous maman, nous pas gagne droit? Nous avons droit moi, moi avec lui. C'est pour ça, chers frères et sœurs, prenez bien, c'est l'interdiction qui finit dans le Coran qui aucun dimoun pantom là-dedans. C'est l'interdiction qui est dans le Coran qui aucun dimoun pantom là-dedans. Qui interdiction? C'est après le départ du prophète sallallahu alayhi wa sallam, personne n'a pas droit moi avec ce madame. Dans son époque, personne n'a pas même ose pense pour faire ça, sa action là. Nous venons à ce que Allah subhanahu wa ta'ala fin permet nous pour t'aider, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala amène une de bonne étape concernant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il arrive sa garçon adoptif là un événement. Qui événement? C'est qu'il est marié avec un madame. Lui c'est qui ça n'a? C'est sa garçon adoptif qui appelle Zayd radiallahu anhu et la, son madame qui s'appelle Zainab radiallahu anha à cette époque là. Les temps sont séparés. Allah subhanahu wa ta'ala finamène ça qui du bien pour eux dans une séparation. Lorsque sallallahu alayhi wa sallam, il y a une madame séparée. Et lui, parmi ban madame qui est mariée, apporte Aïcha radiallahu anha, tout c'était ban veuve et ban qui fin gaita là. Tout c'était ban veuve ou bien ban qui fin gaita là. Après un moment, lui décide pour moi avec lui. Mais seulement lui, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui pas peur de faire sa demande. Qui fait? Parce qu'il attention dans ma dîna, ban nadie, et Muhammad est avec sa belle fille. Muhammad est marié avec sa belle fille. Qui veut dire ça? De là, il est clair que même avant qu'il ayat Quran de Surah Nisa est explicite concernant la loi mahram, cher frère, comment un garçon marié avec une petite fille? Moi, en tant qu'un papa, comment mon garçon marié avec une petite fille, cette petite fille-là, je viens de mahram jusqu'à jour qu'il. Demain, mon garçon quitte lui, elle marie avec un autre. Demain, mon belle-fille, elle quitte mon garçon, elle marie avec un autre. Je reste sur mahram jusqu'à jour qu'il. Mahram, c'est une la loi qui n'est pas temporaire. N'est pas temporaire. Soit elle prend où depuis le départ, veut dire depuis naissance. Par exemple, quand mon fille prend naissance, moi, son papa, je viens sur mahram, son frère vient sur mahram, son maman, son tchatcha, son banévé vient sur mahram, jusqu'à quand? Jusqu'à jour qu'il. Ça devient mahram automatique par la loi de lien familial. Deuxième possibilité qui est un mahram, c'est par l'allaitement. Mais ça qui est avec nous, c'est quoi? Cette troisième possibilité, c'est quoi? C'est à travers un contrat mariage. Ok, à travers un contrat mariage, parmi les plus importants qui nous besoin connaît, c'est deux personnes. Un, c'est belle-fille. Belle-fille, c'est beau-père, vient son mahram jusqu'à jour qu'il. Deuxième mahram qui vient, c'est sa zane là. Le fait qu'il est marié avec sa tifi là, automatiquement, il vient mahram pour son belle-mère. Automatiquement, il vient mahram pour son belle-mère. Demain, il quitte sa tifi là, il fait un autre nikam garçon là. Ou bien tifi là, un mot, etc. Sa maman, premier madame qui est mariée là, son maman qui restait. Il pourrait rester son mahram jusqu'à jour qu'il. Parce que parfois, on a une question, chers frères et sœurs, est-ce qu'une belle-mère a un droit à aller avec son zan, hajj, etc. sans aucun doute, il a un droit. Donc, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'autre étape là qu'il peut hésiter. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait lui connaître. Qui fait que tu peux cacher quelque chose qui est en dehors de toi, qui au fait, Allah n'a pas besoin de te cacher dans lui, il dit ça comme tout. Tu peux gagner un tracas d'imoun. Tu peux gagner un tracas d'imoun en dehors si ton si en dehors accepte lui. Si le halal te fait lui. Allah subhanahu wa ta'ala qui fait, chers frères et sœurs, lui marie Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec sa madame Zainab là depuis le 7e ciel à travers sa ayat Quran qui nous fait tendre là. Comment nous étudions la dernière fois? Un d'imoun parfois. Surtout, ben Michel, on dirait je dis moi non, inchallah comme mon moyen de j'aime là, mon fais autre vivre moi désir. Tu peux avancer à toi l'audience, bêta. Top qu'a fait ça.
Tu vois pourquoi faire ça? Qui fait Allah subhanahu wa ta'ala de ayat 23 de surah 4 sur l'anissa quand il peut cause de la loi mahram? Il finit juste dans la fin de dire malgré qu'il n'y a pas pour toi mahram, wa antajma rubayn al ukhtain illa ma qad salaf. Tu n'as pas gagné droit zwen d'essayer de ensel nika excepté ban kisho qui ne passe de le passé. Qui fait l'indje ça? Parce que le fait qu'il te mouille avec un sire, l'état te mouille au décès là, qui te fait ça décès là? Tu mets en la guillante ça de là? Tu mets en la guillante ça de là? Malgré qui, nous disons bien, malgré qui, dans l'époque Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, un pour monsieur ban madame vini djali ya Rasoulallah, me disposé pour faire une demande pour avec mon propre sire. Il faut accepter pour mouiller avec vous, résiste ou pour accepter. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, j'ai dit comme ça, qui fait te dire ça? Il dit parce que je vis avec vous, je connais comment vous êtes et vous le messager d'Allah. Ça qui m'ont gagné, ça daraja qui m'ont gagné là, personne qui m'a content gagne même daraja, excepté Moussa. Excepté Moussa, j'ai ça daraja là, mon vie Moussa a gagné. De là, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, j'ai dit, certainement pas, parce que le fait qu'il m'ont mouillé toi, te servent une haram pour moi. Te servent une haram pour moi. Chef, il peut avec le prophète là. Il peut avec le prophète. Donc, aujourd'hui, pour te faire dire, faire des autres vivre comme des serres, hadith clair, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam contre Aisha radiallahu anha, Umm Salama radiallahu anha, avoye manger contre lui. L'état sa garçon là rentré, il avance rideau après la permission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit comme ça, ou madame, il a avoye ça. Aisha radiallahu anha, pense la métape de sa lâchette là, bao. Il jette sa lâchette avec son manger, il casse lâchette là. Il casse lâchette là. Qui vous dit, Aisha pas connu qu'il appelle gaspillage? Qui le prophète fait? Ça montre nous, chers frères, parfois, il y a quelque chose, on dirait, net ferme léger, net ferme oreille, fait qu'on dit, on va t'annoyer à droite. Fait qu'on dit, on trouve dans l'annoyer. Si on dirait, on peut faire comprendre là, où vient-ce qu'on comprend cette fois-là? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est allé, il prend une lâchette de pour Aïcha, il y a un souvent récipient, il donne ça, au Moussalama, ça qu'il est fini envoyé là, il a dit, retourne ça, certainement, sous jalousie, il prend là, retourne ça. Fini! Il va récolter encore. Tu vois, parfois, comment tu termines ban problème, ce n'est pas nécessaire au road solution, road réconciliation. C'est quoi? On est de garde de silence tranquille. Il est de prendre l'autre récipient, parce qu'il est cassé dans son récipient seulement. Là. Il donne ça, et il retourne ça sous Zalou, il prend là. Fini. Mais c'est moi le mot qu'il a servi ici dans Zalou, ce n'est pas Hassan, mais c'est Rira. Rira, c'est quoi? C'est une jalousie qu'il y a de un Miché pour ce madame, une jalousie qu'il y a de un madame pour ce Miché. Dernier quelque chose qui nous apprend, ce qui nous fait entendre dans la masse fatale, chers frères et sœurs, c'est quoi? C'est le temps Allah subhanahu wa ta'ala fin mouillé Jésus. Ok. Veut dire, il y a un accent devant nous là. Il y a Zainab, radiallahu anha. Est-ce qu'il est déjà mouillé? Oui, il est déjà mouillé. Il s'est mouillé avec le garçon adoptif du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De tout bon épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi moi, quelque chose qui est bon nous connaît. Nous disons bien, il est bon nous connaît, chers frères et sœurs, qui fait? Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes moi, vous connaissez combien d'actrices Hollywood me connaît, vous connaissez combien d'actrices Bollywood me connaît, tout Hollywood qui vous pensez, je d'actrice me connaît moi. Mais seulement si demande-moi nom de ban, épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Khadija, Aïssa. Après qu'on se guette de figuier là. Après qu'on se guette de figuier là. Mais seulement moi-même qui peux dire, mère de ban croyante. J'ai dans sa titre là, qui j'ai nous maman, qui j'ai dans ban privilège le nom. Mais seulement, chers frères, 11 noms m'ont pas réussi à mémoriser ce nom. 11 noms. Vous pouvez ici mémoriser. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam quitte dunya, 7 tiers que sous sa responsabilité. Pas du moment ça c'est la ramène, c'est le soubgat moujouz aujourd'hui. Ça mou halat aujourd'hui. Mais demande-moi dernier Z Awards qui finit, qui va actrice fin, me donne la liste là. Me donne tout ban qui est possible si gagner et qui ban qui gagne. Ça mou situation aujourd'hui, chef. Donc, quand nous guettons ban épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment nous dire? Je divise, nous divisons à deux. À deux de qui façon? Khadija radiallahu anha, car Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu mouilles avec lui de Makka, pas qu'il n'y a aucune madame ensemble. Il est tout seul tout le temps. Ce n'est qu'après ce l'amour que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam mouille plus qu'il y a. Mais lui, quand il est là, tu n'as juste lui tout seul. Ok. L'imo. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, je viens de Madina, je commence à mourir, deuxième, troisième, y aller.
Juste pour nous donner l'idée comment ça peut dérouler là. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam il fait causer de Khadija radiallahu anha. Un autre qui dit causer Khadija radiallahu anha. Un autre qui dit causer Khadija radiallahu anha. Connais que ça tu casses l'achète là, il y a 3 minutes là. Tu casses l'achète là. Connais, il y a une idée que ça là. Il vient avec le voici. Où? Moi je dis apporte Khadija. Puis aucune madame a colo là. Et je comprends. Qui fait Allah subhanahu wa ta'ala fin de moi avec lui? Parce qu'il a sur l'intelligence, le bonne question qu'il y pour amener, il est pour différent avec les autres. C'est pour ça qu'après, les sahaba, tu arrives à une époque où tu n'as pas pu gagner une réponse à nos bonnes problèmes, excepté avec Aïcha radiallahu anha. Donc, même après ce départ, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a coupé cause. Aïcha radiallahu anha n'est pas content de sa bout là. Comment dire, il n'a pas de toucher. Ok, il continue. Aster Aïcha radiallahu anha, il y a un petit clic. Il y a un petit clic. Quand on veut dire un petit clic là, on te bat madame la même. Pas clic comme on bat madame quand on vient de namaz ici. Hein? Vous connaissez ici quand je fais un namaz, bat madame, je fais un namaz pour tribu. Veut dire, c'est là, ce sœur, ce petit fils, ce nièce, je fais un namaz là-bas. L'autre là, ce sœur, ce petit fils, ce nièce, ce cousine, une vinise, je dis, saute loin, je fais un namaz là. Ça, non, pas comprendre. Parce que ça, à l'absolu, vous ne connaissez pas un namaz à compter parce que le namaz est obligé pour se remplir pas, pour ça, vivant avant. Ok, mais sinon l'autre côté, chef frère, c'est qui? On dirait, il y a un bis-bis, mais il y a un qui, on dirait, il marche au moins. À ce stade, ça qui marche au lila, de bonne madame du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des aïnabs. Il y a des aïnabs. Il y a un qui, avec Aïcha, il y a un qui l'autre côté. Là aussi, là. Il y a un qui est ensemble avec Aïcha, il y a un qui l'autre côté. Aïcha, il y a un qui est l'autre côté, ça qui nous peut causer sur l'Ahzab là. Lui de l'autre côté. Aïcha radiallahu anha, une fois, il dit parmi nous là, parmi nous. Mais il peut viser. Quand il peut dire parmi nous là, pas lui ici. Parce que ça, on dit pas dire qu'ils sont dans l'ennemité là, hein? Mais vous pouvez comprendre là, entre les lits. Pour vous dire un bise-bise là. Il dit parmi nous là, moi tout seul vierge que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin mouille. Effectivement, il est une sixième fille. Les restes nous ont mouillé. L'autre là qui répond lui. Moi, tout seul qui monika, il fait le septième ciel. Basant le sa ayat là. J'ai moi tout seul qui monika, il fait le septième ciel. Basant le sa ayat là. Donc, de là, nous trouvons cette bataille qui n'est pas pour terminer. Plutôt, nous terminons l'explication de sa ayat là, chef frère et sœur. Donc, ça, donc, qui sera trouvé? Il trouve dans la 33, sur l'Ahzab. C'est ça qui imam, Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous permet de lire aujourd'hui, qu'il soit de première rakat ou bien de deuxième rakat. Nous commençons aujourd'hui, chef frère et sœur, par hadith que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit. أبوتي أبو هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم رسول صلى الله عليه وسلم سلمونا إن جاي مالديكشن سلمون كنو بيفيو لا إن جاي مالديكشن جد بيا كي المودين سيفي ملعونة لعنة 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 كيف يجيه La'anatullah, malédiction. Mal'ouna veut dire l'enveloppé, l'enramasse. Qui dit dire, Allah, c'est sa dounia là, une malédiction. Pas si elle a l'y peut gagner, non? Pas l'y pour gagner, l'infini, une malédiction. Ensuite, il dit, mal'ouna ma fiha, et tout ça qui est là-dedans, une malédiction. Il l'a accepté, zikrullah. Accepter la pensée d'Allah. Ensuite, il dit wa ma wa lahu et tout qui chose qui suivent lui, veut dire qui amène nous pour appeler Allah. Tout qui chose qui amène nous pour appeler Allah pour rester dans l'obéissance à Allah. Veut dire tant qu'un dimoun dans l'obéissance à Allah, est-ce qu'il tombe dans malédiction là? Les restes, elle comprend ce terme. Troisième, wa alimun un savant et quatrième wa muta'allimun un quelqu'un qui peut apprendre. Nous faisons deux qui nous donne quatrième, Inch'Allah, chef frère. Donc, ça, c'est bonne petite chose qui montre nous, demain même après Ramadan, paraît apprendre. Pas nécessaire de venir ici. Hein? Pas nécessaire de venir ici. Rodney Pot qui place, quand même des fois par semaine, chef frère, sœur, continue à prendre nous dîner. Continue à prendre nous dîner. C'est le petit chose qui peut protéger, Inch'Allah. Mais seulement, comment couper avec ça, l'état autre, vous, pas dans la catégorie là. Connais aussi une ronde de Halimon de malédiction là, l'os.
qu'on est aussi une ronde dans le monde de malédiction là. À ce stade, il ne faudrait pas nous penser, c'est pas, mais il n'a pas là, il n'a pas fait namaz, il n'a pas là. Non, il n'a pas rosa. Il va faire finir namaz. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala continue protège lui. Mais comment nous trouvons, nous, on dirait, en l'époque après Ramadan, pour pas dire jour id même, on commence à faire namaz. Vous savez, parce que jour id, l'état où il Fajal, disons, les salés. Disons, Maghrib, Bécha. Et tu as oublié ça, Fadeye. Non, pas là, il a mangé, c'est ce belmeur. Ce belmeur, quand tu recèdes une plate, mais tu manges vite, vite. Quand il a mangé, c'est ce belmeur là. Donc, à partir de là, chef frère, comment me trouve-moi, puis comment je prends sa direction là. Veux dire, moi, en tant que madame, la case, et toi, me trouve mon Michel, je dirais l'un des meilleurs. Frère, comment c'est là, tu es quand tu vas attendre, faire frère de Maurice. Hein? Il commence à pleurer, Fadjal. Comment se gagner pire parce que mon père vivait avec un Michel qui avait une malédiction. Comment se gagner pire parce que mon père vivait avec un Michel qui avait une malédiction. Qui Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour nous. Qui fait nous finir ça, chers frères et sœurs, comment nous finir dire? Parce que parmi les hadiths qui montrent nous l'importance et surtout gravité de cette dunya-là, comment il peut nous valer et l'importance qui nous continue à prendre. Apprendre nous dire. Nous terminons le dernier parti, le droit qui nous fait prendre la dernière fois. C'est quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous, après avoir qu'il nous fait une chèche protection contre l'avarice, contre la poltronnerie, contre un vieillissement qui fait nous oublier nous bonnes petites choses. Gardez ce qu'on peut appeler Alzheimer ou bien quoi, mais seulement un vieillissement qui fait oublier ou bonnes petites choses. Quatrième et cinquième petite chose que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit à nous, chers frères et sœurs, pour chercher protection, c'est wa a'udhu bika min fitnati dunya wa min adhabi al-qabr. Et moi, cherche protection avec toi contre fitna dunya et depuis punition qabar. Ok, nous prenons. Fitna, comment nous disons, chers frères et sœurs, fitna, c'est pas une petite chose qui n'est pas bon. Non, c'est une petite chose qui est bon. Mais seulement pour mal servir, il y a une nouvelle vers désobéissance. Sa dunya là, ça la vie là, dunya là, il y a beaucoup fitna. Il y a beaucoup fitna. Qu'il y soit casse, qu'il y soit enfant, qu'il y soit madame, quand je veux dire madame là dans les deux sens, qu'il y soit mon propre madame ou bien ma madame, qu'il y soit toute petite chose qu'il trouve qui attire passion en djimoun, c'est un fitna. C'est un fitna. Ici, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut dire nous cherche protection avec fitna dunya. Qui fait? Qui fait, chef frère et soeur? La raison principale, c'est quoi? C'est attention aux mots. Te tu dans fitna là. Attention ton mot, te tu dans ça, ça fitna là. Fitna là c'est quoi? C'est ça quelque chose qui peut risquer bout en bout pour désobéir à Allah. Nous prenons l'exemple. Le temps où j'étais, alhamdoulilah, moi na moi, mon madame, mon bon enfant, mon maman, mon papa. Ok, moi gagne la paye qui, alhamdoulilah, subvenir je tout parce que mon paye na pour payer location, moi na moi tu la case et que manger boire tout aller. À ce temps arrive ce moment qui va dire mon vie fait l'avance là. Quand il va soit ça là vini là, tu te regrettes ça, qu'est-ce qu'il a né l'été 2019, tu as copié pour l'année 98. Comment dire quand il 98, tu as un soleil quand tu roules, tu peux quand tu dois décapotable. Non, il roule pareil, lui. Le temps là pour rouler 2020, lui. Ou là, il y a un petit guide plus vite qu'il y a, mais soit nous déplace pareil. L'été, ça va soit ça là vini, tu peux rouler l'année 98, ça que 6 mois, tu as besoin de fitness. Tu as copé dans tel endroit, mais pas de pour te bouger à ce temps. Et tout ça là commence à venir. Et tu as moi de travail. Au fait, je me dis, on a un bon poste. L'exemple, c'est un. Hein? Je vais préciser l'exemple parce qu'il a dit, la dernière fois, quand tu fais des sons, je veux dire, la deuxième semaine, deuxième premier dimanche, je veux dire, deuxième jour, quand tu causes de l'amour, comme tu dis, tu as un qui pendit les séries. Je rappelle ça, je disais qu'il y a un zénith qui pendit les séries, le temps que je peux causer l'eau, fait un mazanaza, un kikan qui est suicidé. Vous parlez quand nous voulons une famille, un kikan qui est suicidé? La cause, c'est quand nous disons l'exemple, nous avons fini site libonir. Dans ce que je veux dire, il y a le deux, il n'y a pas tant de habout là. Ok, l'exemple ça, oui. Moi, j'ai un bon poste dans un secteur privé, moi, je disais ce nom, et alhamdoulilah, la paix est correcte, mais c'est moi là-bas, je connais banane de ma facilité. Qui est arrivé là? L'intier pomme de terre frite, elle est remplacée par chips. Qui va nous donner? Facilité. Les papes trouvent l'intérêt là. Ils trouvent quoi? Ils trouvent facilité. Banna peut donner moi une somme, ensuite dis-moi comme ça, tous les mois, comme ça, parce que mon travail comme ça même. Mais là-dedans, je vais gagner la terre avec sa petite loto là. Qui n'arrive moi là?
Ou bien la case, mon travail pour moi-même, au fait moi. Ça, déjà, l'exemple. Hein? Mon travail pour moi-même, moi. Alhamdulillah. Mais quand on travaille pour moi-même, là, prends sur la banque, prends sur MOE, prends sur la douane. Ben, n'a pas de tout bien, oui, non. Ou quoi, ben, n'a pas de trouver vous. Ben, n'a pas bien de toujours. Ben, n'a connaît combien de conteneurs on a mené pour moi. Ben, parce que pas besoin de quitter la banque quand tu es caché là. Un beau jour, trouve un bail vini. Où en veux-tu? Moi, m'appelle Mohamed. Nous, nous représentons telle compagnie. Nous, nous venons de nous une facilité. Demain, pour les enfants, apprendre. Demain, pour s'y arriver, ou madame, qui a des enfants. Demain, il vient de nous une facilité. Lui. Et la facilité, au fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Prends pour lui-même, non. Il vient de nous les autres. Quand il est qui est dans l'habitat là? Quand il est qui est ça? Plus qu'il est qui est maman, ça? Il vient offrir ou faciliter. Au fait, pour lui, pas dire, on peut venir inviter pour rendre de l'enfer. Il est déguisé là. Et Dieu m'ouvre de nous, ban facilité. Imaginez-nous, chers frères, qui Allah protège nous. Qui ne soit pas, ban dit mon aime, fais autre reste loin, ou bien pour nous pas tenter. Parce que nous, un insane, nous ne connaissons pas qui est nous glisser. Pas oublier ça, amis. Même si un frère est glissé, pas blâmer. Il y a un insane, chers frères. Il y a un insane, ou pas connaître. Ou connaître qui est ça, salaire que tu peux gagner, pression belle-mère, pression madame, pression maman, papa adapté aux belles-filles, ce qu'on a, ou payer une case pour louer la case. Ou gagner proposal comme ça là. Pour dire le micro, c'est facile. Mais seulement sa frère qui passe là dedans. Quand on dit, il trouve sa pression là, il y a quelqu'un ça. Ça faut que Allah protège ça. Illa man rahim Allah, excepté qu'Allah ait pitié pour lui. Qui est là si demain nous janaza saute dans la case locataire? Dénigrez-nous ça? Nous, maman, papa, nous, dada, dida, qui sont sortis? La tête, il est aux autres, non? Combien nous, famille, sortis dans la case locataire là? Puis, non, non, il y a ça. Une fois qu'on est debout devant là, il est avec la tête haute. Qui est là si janaza saute dans la case de Kaolen? Qui utilité mon saute dans un grand la case? Quand on guette la côte aluminium? Mais c'est moi qui vais prendre l'écho, mais Dieu, pas tu prends provision pour j'en ai sorti. Qui utilité? Qui utilité de mon la case dans l'escalier spirale, quand vous êtes, faut dégâter qui calte l'escalier. L'homme de miraille, plaque gaz dans la table. Qui utilité? Ça pour serviteur de tout cabal? Qui te parle dire Allah? Quand tu dis, oh Allah, mon accepté déclenche la guerre contre toi pour me recycler la case de mon nom pendant 20 ans. Pendant 20 ans, ça, hein? Parce qu'après, il y a l'Oban Zéritier, tout là. C'est la cause 20 ans, on déclenche la guerre avec Allah. Fahdharu biharbi min Allah. C'est un exemple de fitna, j'ai fait. Un exemple. La cause, ça, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, j'ai une protection avec Allah. Ton jour demain, quand tu es mort, tu as coupé pays l'aune. Comment tu peux faire? Comment tu peux faire? Parfois, on est capable de dire. Ben, on a fait faire extra difficile en bas pour un frère qui travaille mon sang en bilan, l'autre. Mais c'est moi quand vous êtes de l'autre côté, ben frère, prends pas chance là. Prends pas chance là qui demain vous gagne un travail, que vous avez mettre cravate. Mais c'est moi, vous ne connaissez pas à qui fitna ou pour être exposé. Vous ne connaissez pas. Dans n'importe qui travaille, qui nous était, demande à Allah beaucoup de protection contre ben fitna qui est là dans le travail. Ça que Allah subhanahu wa ta'ala amène, à ce qu'il amène, dunya. Il n'est pas fini amène la vie. Parce que la majorité fitna qui vient, veut dire que ce qui vient, c'est concernant la vie de l'union. Je vais faire l'avance. Je vais gagner la terre. Je vais gagner le tout. Je vais faire mes enfants arriver. Tout ce qui est là. Veut dire que la fitna là, pas pour faire des gains à l'akhirat. L'un prend une petite case prêtée pour y aller faire Hajj. Pas ça. Ça, non, pas ça, fitna là. Ça, ne peut pas appeler fitna. Fitna là, c'est quoi? C'est une petite chose pour y gagner la réussite de l'union. Donc, comme on peut aller là-dedans, pose-moi la question. Je peux gagner quoi là? Akhirat ou bien dunya? Mais dunya qui peut gagner? Comment tu peux faire ça? Ensuite, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit: Wa min adhab il qabr. Et si c'est protection avec Allah contre punition, qabr. Mais il y a punition l'enfer après. Qui fait moi cette protection juste contre punition qabr? Je ne peux pas faire cette protection contre punition l'enfer. C'est simple, chef. Comme on nous a dit, c'est hadith Othman radiallahu anhu. Quand Othman radiallahu anhu dit: Certainement, mon temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ça c'est premier la case en personne. Gagnez-nous ouvrir la case côté. Ça c'est premier la case en dimoun. Si ça bon, ça qui après vient plus bon. Veut dire, si un dimoun est protégé contre Pinchon Kabbal, est-ce qu'il prend de l'enfer? Non, je vous. Malgré qu'il quand il peut débouter devant Allah, il peut oublier, toute étape qui vient jour qui yama fait oublier sa étape avant là.
Nous tu composes sixième CPE, oui non. Quand c'est stressé, c'est dans nous la tête. Combien de leçons nous peux aller? 7 là ou 7 mois de leçons. Le résultat CPE pour DO. DO, l'état où t'en ici, où t'en gagné la gazette, ça ouvre la gazette, trop des côtes nous étaient là. Côtes nous étaient là-dedans là. Comment les rendre de forme 3, forme 5? L'imbrié CPE là, oui non. L'irodignité à se dire. Pression. Combien d'unités pour gagner? L'état de finir gagner sur 10 unités. L'imbrié de 10 unités là. Pression. Combien ABC mots pour gagner? Les rendre de HSI. L'imbrié sur HSI. Pression pour les gars BSC, et la présentation, et la dissertation, et la toutes sortes de qualités pour les faire. L'étoile, il peut vivre là, chaque étape permet de oublier. Tu oublies de SC quand tu fais, tu oublies de SC, tu oublies de l'oublier avant là. L'étoile, tu n'as ni causé de forme 5. Quand tu as le premier dimanche, tu peux composer forme 5 là. Là, ça, composition qui m'a gagné là, un narrative, c'est ça. Et t'as entendu quoi, c'est le premier jour, mais composition en 5 là. Et t'as dit, rentre de HSI, de GP, qui ou quoi? De économique, ça facile, ça avec ma micro, gros, combien de papier, j'ai tout ça papier, multiple choice là. Et t'as entendu quoi, c'est le premier jour, mais composition en 5 là. Li monte même comme ça. Veut dire, l'inblier qui lui-même tu peux plaigner l'examen forme 5. Et t'as dit, rentre de BSC, l'inblier lui-même tu peux plaigner pour l'examen HSI. Et t'as dit, il fait MSI. Qui n'arrive toi? Ça dounia ça. Imagine-nous à Kira Thanos. L'état il finit par ce première étape, l'oublier qui ne finit pas ce première étape, il concentre le jeune là. L'état il parle, l'état il arrive devant sur l'homme. L'oublier qui gagne avec la main droite là-bas, l'oublier qui se balance d'un côté bonne action. Il trouve sur l'autre, il réblie tout. Il allait comme ça. Il allait comme ça. Donc, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit à nous qui aime quelqu'un qui se kabal facile. Ça qui vient après pour plus facile. Donc c'est un dimoun que Allah subhanahu wa ta'ala fait nous et que nous famille vient là-dedans, chers frères et sœurs, être protégé contre le pinchot kabar. Être sûr ça qui après vient plus facile. Être sûr ça qui après vient plus facile. C'est pour ça que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam finalement dit ce pinchot kabar. Donc, votre protection contre fitna le dunya, quand il reste dans l'obéissance, Allah protège toi contre le pinchot kabar. Être sûr qu'il te protège contre punition, l'enfer. Dernier doigt qui est avec nous, chers frères et sœurs, que nous veut dire dernier doigt, Inch'Allah. C'est pour ça, moi, Ramadan. Je veux dire, nous commençons aujourd'hui, nous continuons demain pour nous terminer, Inch'Allah, l'autre semaine. C'est quand la source, sallallahu alayhi wa sallam, moi, je trouve devant nous, il y a un long doigt, mais seulement pareil, nous couplons, nous cassons entre nous. C'est la source, sallallahu alayhi wa sallam, pareil, il y a même nous pour chercher protection. Au milieu, il fait nous demander quelque chose. Au fait, le but c'est quoi? C'est chercher protection. Mais au milieu, il y a menu pour demander quelque chose. Nous lisons vite. Allahumma inni a'udhuka min al-hajzi wal-kasli wal-jubni wal-bukhli wal-harami wa ghadabil qabr. Ensuite, il dit Allahumma ati nafsi taqwaha. C'est le vino pleur, il y a le vino fusana. Allahumma ati nafsi taqwaha. Oh Allah, donne-moi nafsi taqwa. Wa zakiha anta ghayru man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Purifie-le toi-même, mais il y a qui purifie nafsi. C'est toi qui possèdes sa nafsi. Donc nous cherchons protection avec Allah, ensuite nous demandons quelque chose. Nous demandons pour purifier nos nerfs. Ensuite nous recherchons protection encore. Ensuite nous recherchons protection encore qui fait parce que ça qui vient après là, c'est quand ton nerfs est purifié qui te capable comprendre qui te dit mon dialogue. La cause qui amène purification nerfs. Pour que ça qui peut venir après là, faudrait nerfs là purifier à ce moment-là, qui est capable de demander ça qui vient après là, nous prenons ce premier parti. Allahumma inni a'udhu bika min al-'ajzi wal-kasali wal-jubni wal-bukhli wal-harami wa 'adhabil qabr. Et là donc qui nous finit passer, wallah mon cher protection avec toi. Nous prenons les Allahumma inni a'udhu bika min. Allahumma kwa nous dire le mot Allah avec mim veut dire un globe tout bas nous Allah. Inni certainement moi. A'udhu mon cher protection bika avec toi. Veut dire sans toi moi pour garder sa protection là. Minal première petite chose al-radzi. Al-radzi qui veut dire radiaza veut dire incapable. C'est pour ça un vieil dimoun de langage arabe nous appelle un radjouz. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, de haditha djenu, j'ai imra'atun rajouz. Une madame âgée vini. Il dit, ya Rasulallah, est-ce qu'il m'a pris de djanna? Le prophète dit, non. Il pleurait. Dites ça, chef. Dites qui question il vient demander. Ya Rasulallah, est-ce qu'il m'a pris de djanna? Moi, je dis que je rentre dans sa lase là. Et tu vini, quand on a l'autre sorti là? Parce que je connais ça que moi, nous sorti nous. Je suis intéressé à quand vous direz groupe 3e en pour sortir. Moi, je trouve que vous êtes intéressé est-ce que mon habitant de Jannah ou bien nous, on arrive 60 ans. Et alors, est-ce que mon habitant de Jannah, le prophète dit non. Il pleurait.
Le prophète Gethsemane compagnon dit, Dieu dit, il prend de Djanna et il prend 33 ans. En d'autres mots, un dimanche par an de Djanna, là, 70 ans. Nous tous, Inch'Allah, quand nous pourrons entrer chez frère, nous pourrons 33 ans. Qui fait 33 ans? C'est lui qui lui soit maturité, qui lui soit le sens de responsabilité, qui lui soit courage. Il est au pic là, il est au pic là. Avant ça, nous manquons un peu de responsabilité, un peu de maturité, nous posons. Après ça, nous commençons à descendre dans l'AS. La 40 ans, nous commençons à faire check-up souvent. Le 33 ans. Peine à un djimoun qui prend de djanna, excepté 33 ans. Lorsque sallallahu alayhi wa sallam, que tu vas comprendre, djanna 33 ans, il prend pas là, ce qu'il était à ce là. Imaginez-vous, un mot 70 ans, mais tout de djanna là, 70 ans. Pour ceux d'un côté de djanna, pas l'autre côté qui peut arriver. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est moi qui l'ai fait. Il fait au gain 33 ans, guette et côté vous galoupez, bêta, parce que tu vas fatiguer toi. Ce hadith qui est mentionné, une madame Rajouz, une madame vieille. Vous avez dit incapable. Ici, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala protection contre Al-Rajz, qui veut dire l'incapacité, veut dire ban travail qui tombe le haut nous, qui nous va carrément appel. Ban travail qui veut dire nous finis bon travail là même. Ou Allah travail qui ne va pas faire de nous. Ou bien si tu donnes moi, dis fais-moi rester, rester fini. Tout de suite, dis-moi, nous cherchons protection contre quoi? Wal kasali, la paresse. Premier là, je ne pas capable de faire même. Deuxième là, je ne suis pas capable de faire, mais seulement mon papa. Il y a deux choses. Premier là, je ne suis pas capable de faire même. Oh, la protège, je ne suis pas capable de faire ce travail là. Deuxième, à ce qui arrive, je ne suis pas capable de faire. Je ne suis pas dire ou non. Mon responsabilité, ça. Mais si je connais Zodi, aïe, les coups, pas trop bon. Ça, ça n'est pas bon, ça. Ça n'est pas bon. Et surtout, dans l'ibadat. Allah subhanahu wa ta'ala cause concernant ban hypocrite quand il dit wa idha qamu ila salati qamu kusala, quand je déboute de namaz je déboute avec la paresse. Ou dirait comment on finit votre manger iftar pauvre en père cité kaf baalen rod sawab dia tous les jours peut gain biryani be vinim tous les jours bien te voir ba arrête amen biryani pareil comment dire quand on donne miskin manger là ou dirait tout bon qui manger je t'en gété qui na tout donne briani même pauvre car la l'infini gars 60 ans il finit un problème né qu'est ou venir ou donne briani pas de hier ou ici pas de qui mange ça il va donner ça aux petits enfants donne quelque chose qui pour profite lui dieu mon récite caf ça dieu de banan l'état ou gête gâteau qui ban là mais né ça et n'a qu'à ramener boire dit ça faut de ou gête dieu t'en arrive l'état là oui ça surout pas lier long surout pas lier long. Mais qui se fout lui? Qui se fout? L'homme qui nous trouve, ah, yo, c'est retenu, elle est trop longue, ça, des premières rakat là. Parce qu'il était au get iftar qui m'en a pillé là-bas. Qui fait? Parce qu'il était à la Paris, la rentrée. Quatre petites choses qui éloignent Ndimoun avec Ribada. Comme Ibn Qayyim, rahimahullah, le dit. Mange beaucoup, il fait Ndimoun avec Paris. Cause beaucoup, rit beaucoup. Troisième, c'est rit beaucoup. Et quatrième, c'est dormi beaucoup. Quatre petites choses qui éloignent un djimoun avec ribadat Allah. Ça, c'est parole Ibn Qayyim rahimahullah qui a amené de ce livre Al-Fawaid. Oui, deuxième, c'est quoi, chers frères et sœurs? C'est qui? La paresse. Troisième qui nous finit par celle là, c'est Al-Djoubn, comme on a dit hier, veut dire une petite chose qui me trouve, peut-être mot hack, mais ça me connaît mon pire pour causer, moi hésiter. Tu peux hésiter, c'est au pire. Parce que quand quelqu'un peut prendre ton hack, tu es obligé de causer. Tu as droit ça. Paye une personne qui est capable de dire toi quelque chose. Ou bien se trouver un dito, ça qui devait faire l'appel dominer. Ça qui devait faire l'appel dominer. Tu gagnes moi, bon, tu gagnes moi, mon gosse, pas de problème. Mais c'est maman dit toi, ça qui devait faire l'appel dominer. Ensuite, quatrième et cinquième, al-bukh, l'avarice, ça qui nous prend hier, ou al-harami, vieillissement. Vieillissement, qui différencie notre vieillissement là avec l'autre là? Yé, ça qui nous prend là, en arouda ila azar il humour, c'est qui comme on commence à blier. Et ici, vieillissement, c'est pas moléco. Mon vin en calte vieille qui m'a pas qu'à mort, moi tout seul, m'oblige en qui qu'en soyez moi. Mon vin en calte vieille qui m'a pas qu'à même moi, si m'a besoin d'osez roulante. Mon vin en calte vieille qui m'a resté là au lit, c'est un vieillissement là. Il a tous les dialos. En qui fait nous oublier. Et deuxième qui fait nous vin, incapable pour bouge nous banmom l'écho. Et dernier chef frère, c'est Radha Bil Qabl. Comment nous fait Getli ensemble? Donc ça c'est première partie de sa dora que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam amène nous pour chercher protection. C'est quoi chef frère? C'est quand il enseigne nous pour dire Allahumma inni a'udhu bika min al-'adzi wal kasali wal jubni wal bukhli. Wallah, je cherche protection avec ta contre l'incapacité, la paresse, contre la poltronnerie et contre l'avarice wal harami. Haram c'est quoi? Get bien hela, c'est pas djim soufre mais c'est hefler qui
veut dire vieillissement, wa azab al qabr. Et inchallah demain, chers frères et sœurs, nous prenons deuxième partie de ça, de Allah. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.